J'allais commencer ma conférence en disant que c'est la première fois que je m'adresse à un public uniquement francophone, mais ça a l'air que c'est pas vrai, alors... Bienvenue tout le monde, ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous ce matin sur mon travail, sur ce que je fais. Alors, je ne sais pas vous, mais moi dans la vie, j'ai besoin de concret. Alors, c'est en faisant mes études universitaires que je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour passionnément parce que j'ai commencé à m'impliquer bénévolement pour faire de la conversation auprès de personnes immigrantes. Et c'est là que ça a commencé, ma belle histoire d'amour. Alors, il y a plein de catégories d'immigrants. Il y en a qui sont ici par choix. Il y en a d'autres qui sont accueillis ici comme réfugiés. Moi, je travaille depuis quelques années avec les immigrants qui viennent tout juste de débarquer. Alors, ce que je fais avec eux, c'est ce qu'on appelle la première francisation. Alors, j'ai enseigné, je vais vous faire une petite liste, une dentiste brésilienne, un bûcheron burundais, un avocat colombien, un journaliste kurde syrien, une enseignante marocaine, un colonel turc, un mécanicien afghan, une ingénieure chinoise, un cuisinier mexicain, un fleuriste irakien, une commerçante centrafricaine. J'ai aussi enseigné à des cultivateurs, des maçons, des couturières, des tisserandes, des tricoteuses, des ouvriers, des étudiants, des retraités, des femmes au foyer, et vous avez une bonne idée là, de c'est qui les personnes qui sont dans ma classe. Alors, l'arrivée des réfugiés syriens a fait couler beaucoup d'encre, on en a entendu parler depuis déjà un petit bout de temps. Alors, moi je travaille principalement avec une clientèle de réfugiés depuis déjà de très nombreuses années. Et oui, Québec accueille d'autres réfugiés que les réfugiés syriens. On a des grands oubliés dans les médias, malheureusement. Je pense aux Rohingyas qui sont de Birmanie, qui ont été accueillis dans des camps de réfugiés au Bangladesh, qu'on reçoit présentement encore au Québec. On a les Karen qui sont aussi un groupe ethnique de la Birmanie, du Myanmar, qu'on accueille ici à Québec, et qui ont été réfugiés dans des camps en Thaïlande. On a aussi, depuis de très nombreuses années, des réfugiés qui proviennent du Bhoutan, et oui, le pays du bonheur, qui ont été victimes d'un nettoyage ethnique et qui ont été réfugiés pendant plus de 20 ans au Népal. On en a des centaines ici à Québec. Il y en a d'autres aussi, là, je ne voulais pas vous faire une trop grande nomenclature de tous les réfugiés qu'on reçoit. Alors, comme Jacques le dit, on a souvent l'impression qu'on vit dans une ville qui est très homogène, la ville de Québec, mais êtes-vous déjà allé à la fruiterie 440 la fin de semaine? Moi, j'adore aller à la fruiterie 440 la fin de semaine, mais malheureusement, mes enfants ne veulent plus que j'y aille. Je vous explique pourquoi. Je les imagine avec leur tuque, leur mitaine, leur manteau, ils ont chaud. « Maman, as-tu fini de jaser? » Et oui, quand je vais à la fruiterie 440, ça dure des heures et j'adore ça. Alors, effectivement, il y a quelques endroits dans la ville de Québec où on peut les retrouver. Alors, quand j'enseigne le français aux personnes immigrantes, j'enseigne pas le français qu'on apprend à l'école, je leur enseigne plutôt celui qu'on utilise chez le médecin, dans l'autobus, dans la rue, le langage qu'on utilise à des fins, mais vraiment tout à fait utilitaire. On me demande souvent comment on fait pour enseigner à des personnes qui parlent une autre langue. Alors, imaginez, il m'arrive parfois d'avoir des classes composées de 13 personnes qui parlent toutes une langue différente, qui sont analphabètes dans leur propre langue. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur l'écrit pour faire des apprentissages comme nous, on le ferait quand on apprend une langue étrangère. Donc, la majorité ne parle ni français, ni anglais, ni espagnol. Moi, je parle anglais, espagnol, alors, mais je ne peux pas me fier là-dessus. Alors, je travaille avec beaucoup de gestes,
beaucoup d'humour. Je travaille aussi avec beaucoup d'images. Merci Google. Je travaille avec des chansons. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été dans le mouvement scout? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Alors, pour apprendre les parties du corps, les chansons d'enfants, les chansons de scout, des chansons comme ça, ça peut nous servir franchement beaucoup pour faire des apprentissages. Alors, je vous donne un exemple pour apprendre les parties du corps. Est-ce que vous connaissez la chanson « Le docteur guérit tout » Oui, alors vous allez la chanter avec moi? Alors, c'est le docteur guérit tout qui a un remède à tout. C'est le docteur guérit tout qui a un remède à tout. Un patient s'est présenté disant, j'ai le bras enflé. On y a coupé un bout de bras. Ah! C'est le docteur guérit tout qui a un remède à tout. C'est le docteur guérit tout qui a un remède à tout. Alors, vous voyez, ensuite, on fait toutes les parties du corps. Alors, c'est une chanson absolument parfaite pour apprendre les parties du corps. C'est rythmé, il y a un vocabulaire minimal. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on enseigne les parties du corps. Une autre façon que j'utilise aussi pour permettre à mes étudiants de faire des apprentissages, c'est des enregistrements sur lecteur MP3 qu'ils peuvent écouter dans l'autobus, à la maison et tout, pour pratiquer la mémoire, répéter et tout. Alors, je vous avais déjà expliqué qu'on utilise des thèmes qui sont très pratico-pratiques. Un thème qu'on utilise, c'est la visite chez le médecin. Alors, on apprend... Je fais de la fièvre. J'ai mal à la tête. Alors, j'ai un gros rhume. J'ai la diarrhée. Je suis constipée. Alors, vous imaginez que la blague que je fais toujours avec eux, c'est « S'il vous plaît, pratiquez pas ça dans l'autobus. » Il y a des fois aussi, je peux vous avouer que je suis franchement crampée de rire parce qu'il y a des situations qui sont... vraiment étrange. Premier cours, les gens souvent savent à peine dire bonjour. Alors, ils arrivent dans la classe. Alors, je vais les voir un à un. J'arrive devant un étudiant. Bonjour, je m'appelle Marie-Chantal. Là, je présente comme ça. La personne répète, je m'appelle Marie-Chantal. Alors, je fais là, non, c'est moi. Et toi, répétez encore, je m'appelle Marie-Chantal. Personne répète, je m'appelle Marie-Chantal. Alors, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui comprenne que finalement, on apprend à dire notre nom. Il y a des faits cocasses aussi qui surviennent parfois en classe. Alors, dans le pratico-pratique, on voit le thème, justement, de la santé. Je vous ai parlé, j'ai un gros rhume. On voit aussi les problèmes qu'on peut avoir dans notre appartement, les problèmes qu'on peut avoir à la maison, comme par exemple, le four ne fonctionne pas, l'électricité, ça ne marche pas, le tuyau de l'évier est bouché. Alors, dans le but de faire un petit transfert pour voir comment ça s'articule, je demande à mes étudiants, quand tu as un gros rhume, qu'est-ce qui est bouché? Un étudiant lève la main et me dit, le tuyau. un autre fait cocasse, la semaine dernière, j'ai un de mes étudiants qui est un locuteur du Népali qui arrive dans la classe. Il me raconte qu'il est allé chez Maxi. Il a demandé quelque chose au commis. Et puis, le commis n'a pas trop répondu. Même, il avait l'air un peu bête. Fait que là, mon étudiant, il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Alors, il me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Fait que moi, je demande à mon étudiant, mais qu'est-ce que tu as demandé? Il me dit, j'ai demandé noun. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire, noun, en français? Excusez-moi. Alors là, je demande, mais qu'est-ce que ça veut dire en népali? Alors en népali, noun, ça veut dire du sel, tout simplement. Alors là, vous comprenez bien que j'ai été un petit peu embarrassée de lui expliquer qu'est-ce que ça voulait dire en français, mais j'ai quand même fait une petite explication sur le thème noun et nounoun. Voilà.
Ensuite, on rencontre des fois des situations un peu étranges. J'ai eu dans ma classe un beau grand Burundais, un jeune de 20 ans, le garçon le plus timide que j'ai jamais rencontré dans toute ma vie. Et puis, on parle des émotions. J'ai peur, je me sens bien, je suis content. Alors, je demande dans la classe, de quoi est-ce que tu as peur? Il m'a répondu, des Blancs. Alors, mais là, ça fait déjà un petit bout de temps, c'est quand il venait juste de débarquer. Maintenant, je pense que c'est, il s'est habitué, ça va bien. Alors, il m'arrive aussi parfois d'avoir beaucoup de difficultés à comprendre l'intention de communication de mes étudiants. Parce qu'il y a le langage verbal, mais vous comprenez que quand on ne parle pas beaucoup français, le langage non-verbal prend vraiment beaucoup de place. Alors, par exemple, chez les Bhoutanais, quand on dit « oui, c'est comme ça », alors, ça m'a pris un petit bout de temps avant de comprendre que quand ils faisaient comme ça, ça ne voulait pas dire non, mais ça voulait dire oui. Il y a plein d'exemples comme ça, mais dans plusieurs cultures, une des grandes difficultés que j'éprouve, c'est qu'il y a une culture un petit peu où les personnes n'ont pas vraiment le droit d'exprimer leurs sentiments. Alors, ça fait un petit peu des communications téfales. Alors, nous, dans notre culture, on est habitué à parler beaucoup, on n'a pas beaucoup de tabous, on parle de tout, et surtout les femmes sont habituées à bien s'exprimer. Alors, moi, mon but dans tout ça, c'est de percer le téfale pour réussir à leur permettre de faire des apprentissages. Vous savez, je continue, ça fait quand même quelques années que je fais ce travail-là, et puis, tous les jours, je fais des nouveaux apprentissages. J'apprends des nouvelles choses. C'est absolument extraordinaire parce que je ne peux jamais me fier sur le groupe que j'ai eu précédemment pour pouvoir me fier aux situations de communication. Par exemple, dans certaines cultures, le rôle du prof, ce n'est pas du tout le rôle qu'on peut avoir ici. Il y a certains étudiants qui arrivent dans ma classe qui ont peur, que je les frappe. Alors, il faut qu'ils dédramatisent un petit peu la situation d'apprentissage, réduire un petit peu le stress, comprendre qu'ici, le professeur ne les touchera jamais, ils ne seront jamais victimes de violence dans une classe. Il y a aussi les relations hommes-femmes qui sont parfois complètement différentes de ce qu'on vit ici, comme par exemple des situations où l'homme est vraiment considéré comme supérieur à la femme. Par exemple, la femme va vous voyer son mari, mais lui va la tutoyer. Les mariages arrangés, les relations qui existent entre les personnes jeunes et les personnes plus âgées. Le racisme, la majorité des réfugiés qu'on a ici à Québec ont été victimes de nettoyage ethnique dans leur pays. Alors, vous comprenez que le thème du racisme, c'est quelque chose qui est important. Et puis, de comprendre que le Québec se veut une société égalitaire, c'est pas tout à fait facile à comprendre. Il y a aussi l'espace privé qui est mal compris. Quand on a passé pendant 20 ans dans un camp de réfugiés où il n'y a pas de porte close, où tout le monde est toujours ensemble, arriver à Québec dans un appartement, la porte fermée, ça n'existe pas. Chez plusieurs, dans certaines communautés, ils vont garder la porte ouverte. Puis là, oups, t'arrives, ton voisin est chez vous en train de regarder la télé. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors que nous, dans notre culture, si on voit notre voisin arriver chez nous comme ça, puis que c'est pas nécessairement notre meilleur ami, on va peut-être se poser des questions. Il m'est arrivé aussi de vivre des situations qui m'ont franchement déstabilisée au plus haut point, où j'ai dû faire preuve de beaucoup de sang-froid pour réussir à donner mon cours. Ensuite, je vous donne un exemple. J'ai eu un étudiant, à un moment donné, un étudiant colombien. Puis, il m'avait raconté qu'il avait été pris dans une fusillade. Puis là, il me disait qu'il y avait 7 trous de balles à travers le corps. Hey. 7 trous de balles à travers le corps. Moi, dans ma tête, ça faisait une niaise. Ça se peut pas.
ça n'a pas de bon sens ce qu'il est en train de me raconter là, jusqu'à temps qu'il me montre les cicatrices. Alors voilà, ce qui est assez ironique dans cette situation-là, c'est que l'homme en question s'appelle Angel, qui veut dire « ange » en espagnol. Alors c'est vraiment un ange qui a réussi à survivre à quelque chose d'absolument épouvantable. Il m'est arrivé aussi d'avoir un étudiant qui avait eu un fils. Il me parlait souvent de son fils. Puis, il était tout content quand il me parlait de son fils. Un jour, il me dit « Demain, je vais t'apporter une photo de mon fils. » Fait que le lendemain, moi, je suis toute contente. Je vais finalement voir c'est qui son fils. Il me montre la photo et c'était la photo, c'était le corps de son fils qui était inhumé sur un bûcher. Alors, c'était les derniers contacts qu'il avait eu avec son fils. Son fils était décédé. Probablement d'une maladie, j'ai jamais compris trop de quoi, mais pour moi, ça a été un choc épouvantable. Je vous ai parlé tantôt qu'on utilise vraiment des thèmes qui sont vraiment utilitaires. Alors, un des thèmes qu'on voit en classe, c'est les relations de bon voisinage. Alors, cette semaine, j'aborde ça avec le groupe que j'ai actuellement. Puis, naturellement, pour pouvoir aborder des thèmes, moi, je pars toujours de leur propre vécu, de leur propre situation. Alors, je leur demande, est-ce que vous avez vécu des situations où c'était difficile avec les voisins? Présentement, dans ma classe, j'ai 4 groupes ethniques différents, tous des réfugiés. Alors, il y en a un qui lève la main, qui me raconte que pour aller chercher de l'eau au camp, c'est vraiment hyper compliqué parce qu'il faut que tu fasses la file. L'eau coupe sans aucune raison. L'horaire n'est jamais respecté. Et puis, les gens, ça finit toujours en bataille. Alors, je demande aux autres, avez-vous d'autres exemples de problèmes que vous avez vécu avec vos voisins? Les 3 autres groupes ethniques s'expriment exactement de la même façon. Ils me racontent exactement la même chose, à quel point c'est parfois difficile d'avoir de l'eau dans les camps de réfugiés. Alors, vous comprenez bien que moi, je pensais leur parler de musique trop forte, de vidange, de chien, puis de choses comme ça. Alors, franchement, j'ai eu beaucoup de difficultés à leur montrer c'était quoi les problèmes avec le voisinage qu'on pouvait avoir ici au Québec. Je me sentais un petit peu mal à l'aise. Maintenant, quand je leur demande s'ils sont contents d'être ici, à Québec, voici ce qu'ils me répondent. Alors, première chose, ils ont finalement le bonheur de vivre en sécurité. Ils peuvent se faire une nouvelle vie aussi pour que leurs enfants puissent se réaliser. Principalement, ils peuvent combler leurs besoins de base comme l'eau, la nourriture et les soins médicaux. Vous savez, comme moi, la vie, des fois, c'est pas toujours facile. On est préoccupé, on a le rhume, on se sent pas bien. Mais il y a une chose qui est importante pour moi. C'est à partir du moment où j'ouvre la porte de ma classe puis que je vois toutes ces belles petites faces-là, qui sont toutes souriantes puis qui sont tellement contents et qui apprécient tellement d'être ici au Québec, moi, mes problèmes n'existent plus. Alors voilà, je vous remercie. Mmh.